C'est tout, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Roto Daniel Vestuti. On en arrive aujourd'hui au deuxième épisode de la série. Je vous rappelle, dans le dernier épisode, on était arrivé à 42 000 crédits avec de la tech bronze. On avait packé un boost dans les packs, dans un pack à 400. Donc ça nous a aidé à monter en crédit très rapidement. Donc dans cette vidéo, on va faire une nouvelle technique, on va pas faire que de la tech bronze. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à me lâcher le max de likes comme d'habitude et à partager cette vidéo. Donc on est parti pour l'achat-revente, vous voyez que j'ai 50 éléments sur ma liste, j'ai que des tech bronze pour le moment. J'ai réinvesti donc en tech fut millionnaire pour le moment, donc j'ai investi sur du Evra, sur du Bravo, sur du Kevin Trapp, sur du Pastore. Ensuite j'ai investi sur un Paul George Ntep, sur du Mertens, sur du Leno, sur du Klein. Ensuite j'ai investi sur du Marquinhos, sur du Diego Alves, sur du Azpilicueta, sur du Stéphane Ruffier, et vous voyez les joueurs qui défilent. Donc dans la description je vous ai mis la vidéo explicative de la TechFut Millionnaire ainsi que la liste de joueurs pour cette technique. Donc voilà, ensuite on arrive à 28 000 crédits, j'ai fait de la Tech 59 sur Radamel Falcao que j'ai acheté 950 que je remets à 1200. J'ai acheté un autre Falcao, acheté 1000, revendu 1200 et donc il est déjà parti. Et ensuite j'ai investi en textile, donc je vous mettrai le lien de la vidéo aussi explicative dans la description. Donc j'ai investi sur un Promesse en textile. Ensuite j'ai investi sur un Krikoviak en textile, acheté 750, remis à 1000 crédits. Ensuite j'ai acheté un Calejon à 800 et je vais le remettre à 1100. Donc on arrive à 16 ventes et à 29 000 crédits. Donc on va voir tout de suite nos ventes. Donc j'ai fait là j'ai vendu Calejon. Ensuite j'ai fait des ventes en TechFut Millionnaire. J'ai vendu aussi Promesse en textile. Donc j'ai réinvesti encore une fois en textile sur du Bonaventura. Acheté 800, remis à 1100. Ensuite Asamoah, acheté 750, remis à 1000 crédits. Ensuite Vanderville, acheté 800 crédits, remis à 1100. Et ensuite Caceres, acheté 800 crédits, remis à 1100 crédits. Et enfin Thiago Motta, acheté 800 crédits, remis à 1100. Donc j'ai fait 38 ventes. J'ai vendu Krikoviak, Motta. Ensuite j'ai vendu Ntep. J'ai vendu Vanderville en textile. Ensuite j'ai vendu les mêmes joueurs que tout à l'heure. Je les ai pas effacés. Mais voilà, j'ai fait vraiment pas mal de ventes en textile. Ça marche très bien. Ensuite j'ai investi sur Enner en textile. J'ai réinvesti en TechFut Millionnaire, donc sur un Emeric Laporte. Ensuite j'ai réinvesti sur un Martinez, sur un El Charaoui, acheté 1500, remis 2100. Donc voilà, la TechFut Millionnaire c'est simple, hein. Vous remettez 600 à 700 crédits plus cher, mais moi je préfère remettre à 600 crédits plus cher, hein, pour que ça parte plus vite, hein, pour pas trop prendre de temps. Donc voilà, ensuite Kandreva, Nathaniel Klein. Ensuite on a du Radamel Falcao qui marche très très bien en textile, en TechFut Millionnaire, excusez-moi. Ensuite Martial Up. Ensuite on a du Paul George Ntep, acheté 1600, remis à 2200. Ensuite on a du Lukaku qui marche très très bien, Lukaku. Ensuite on a du Rojo. Ensuite on a du Konopionka qui marche super bien aussi. Konopionka, j'ai fait pas mal de ventes sur lui. Ensuite Lucas. Ensuite j'ai réinvesti sur un Serge Aurier. Ensuite sur du Mertens. Ensuite on a réinvesti sur un Bolasie. Ça marche très très bien les Bolasie, hein. Je vous donne un petit peu mes joueurs favoris pour cette technique. Ensuite du Kedira. Ensuite du Azpilicueta, lui aussi ça fait partie des valeurs sûres, on va dire. Ensuite on a du Pastore. On a du Begovic qui marche super bien lui aussi. On a du Carvajal qui marche super bien lui aussi. Et ensuite on a du Insigne. Donc voilà, on arrive à 41 ventes et à 50 000 crédits. Donc voilà, on a vendu pas mal de tech fut millionnaire avec pas mal de tech bronze. Je fais de la tech bronze, hein, à côté pour avoir des petits bénéfices pour monter en crédit un peu plus rapidement. Donc voilà, ensuite j'ai fait 30 ventes, pas mal de tech fut millionnaire, pas mal de tech bronze comme d'habitude. Voilà, et je crois qu'on va arriver à la fin de la vidéo. Non, on va là ça sera la fin. Donc on a fait 52 ventes pour clôturer cette vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, tech bronze, tech fut millionnaire et textile, ça marche super bien. Donc voilà, on a fait vraiment pas mal de tech bronze là. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. On aura fait un bénéfice de 33 000 crédits. On sera passé de 41 000 à 74 000 crédits. Mais on n'avait pas tout vendu. Donc je crois que si on vend tout, on arrive à 80 000 crédits.
J'espère en tout cas que ce deuxième épisode du Road to Daniel Vestuti vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher le max de likes comme d'habitude. Si vous voulez que j'upload le troisième épisode plus rapidement, je vais envoyer cette vidéo à la chaîne communautaire, donc en espérant qu'il m'upload la vidéo. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher le max de likes comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine les gars pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Ciao.